Alors. Question. On va parler d'une question. Comment faire pour faire revenir une érection? Ouais. Ça, c'est une question qui concerne à peu près tous les mecs, qui m'a déjà concerné. Et le problème, c'est que quand on perd son érection, surtout au début d'une rencontre, eh ben, on court le risque de perdre la nana en question. Et c'est quelque chose qui peut arriver à un homme malgré qu'il se sente excité. Et il faut d'abord faire une première distinction entre un problème physiologique, qui serait le cas si tu perds aussi ton érection au moment de te masturber, ou au moment de regarder un film X, ou au moment où tu es avec une partenaire que tu connais déjà bien, avec qui tu te sens en confort, versus un problème psychologique. Et là, ce serait le cas si ton érection est très bien, sauf dans certains cas précis, comme par exemple, tu viens de rencontrer une nouvelle nana qui compte pour toi, ou alors au moment de passer à l'acte, au moment de la coupure du préservatif, et ben ça te coupe dans ton immersion, dans le moment présent, et du coup tu perds ton érection. Ou alors tu viens de changer de nana et ton ex est encore trop présente dans ta tête. Ça peut interférer aussi. Et ben là, le piège dans lequel ne pas tomber, c'est d'essayer dans notre tête à la faire revenir. Parce que là, ce qui va être de mise, c'est que ce que tu résistes va persister. Et donc, si tu résistes ta perte d'érection dans ta tête, et ben en fait, elle va persister. Tu ne pourras pas, par la simple force mentale, la faire revenir par la simple volonté. Et donc, il va falloir faire l'inverse. Alors, c'est quoi l'inverse de vouloir qu'elle revienne? Et ben, c'est d'abord d'accepter qu'elle soit partie, et c'est ensuite d'avoir du lâcher-prise. Et pour du lâcher-prise, et ben, on peut en parler. On peut nommer l'éléphant qui est dans la pièce. On va donc verbaliser la gêne, dire à la fille « Bon, désolé, là j'ai un petit souci, ça ne vient pas. » Et là, y a plusieurs façons de réagir, dont juste accepter que c'est pas le moment, retirer le préservatif, ou s'il n'y a pas de préservatif, juste faire autre chose, repasser à des préliminaires, juste arrêter de penser à cette érection perdue et se concentrer sur l'érotisme du moment, se refocaliser dans son excitation, se refocaliser sur l'autre, et réessayer de donner du plaisir à la fille, juste se remettre dans le bain de l'excitation en acte, sans voilà, essayer à tout prix de faire revenir le plus vite possible. Et puis aussi le fait de verbaliser la gêne et verbaliser le petit souci, c'est que ça va casser l'attente temporelle, entre guillemets, c'est-à-dire que la fille va arrêter d'espérer que ça revienne dans l'immédiat, et donc les deux personnes vont juste accepter de faire autre chose en attendant, parce qu'on rappelle qu'une relation sexuelle, ce n'est pas que de la pénétration. Une relation sexuelle, c'est beaucoup plus que ça. C'est des caresses, c'est des embrassades, c'est se lécher, se toucher, se sentir, se respirer, voilà. C'est infiniment plus riche que juste une pénétration. Donc il y a plein d'autres choses à faire, des massages, des baisers, plein d'autres choses à faire en attendant que l'excitation revienne à son point culminant et que l'érection réapparaisse. Et à un moment, pardon, je te coupe. Oui. Et cette érection, une fois qu'elle est réapparue, dans le cas où il y a un préservatif à remettre, comment faire? Parce que parfois, c'est le préservatif qui donne une baisse de tension aux hommes. Eh bien, mon conseil féminin, c'est d'essayer de sexualiser la pose capote. C'est-à-dire, certaines filles peuvent s'entraîner à, par exemple, positionner le préservatif avec la bouche, en le faisant dérouler avec leur bouche, tout simplement. Ou alors le faire de façon assez sensuelle, en regardant dans les yeux. Proposer à votre partenaire de le faire elle-même pour sexualiser le moment et ne pas en faire une coupure qui provoque une baisse de l'excitation. La raison pour laquelle ça fonctionne, ces conseils que Paola vient de te donner, c'est que c'est au moment où tu n'y penseras plus
que paradoxalement, ton érection va revenir. CF, la notion de lâcher prise que j'ai nommée avant. Et pour finir, il y a une dernière solution. Si tout ça, ça ne marche toujours pas, eh ben, tu peux consulter un médecin généraliste, qui te donnera des comprimés que tu peux avoir chez toi, une petite boîte de quelques-uns, que tu peux avoir chez toi pour le cas où ça t'arrive. Et alors j'ai déjà, je parle de mon expérience parce que une fois j'ai rencontré une femme, c'était après une rupture, j'étais peut-être pas encore complètement prêt, il y avait aussi de l'enjeu perçu pour moi parce que je voulais que ça marche avec cette femme et donc j'ai perdu mon érection. Et j'ai aussi testé ces comprimés, ils peuvent s'appeler Viagra, ils peuvent s'appeler Cialis, Sildenafil, c'est le nom de la molécule. Et bien souvent, le seul fait que tu as une boîte de ça chez toi, eh ben ça va suffire parce que tu sais que tu as ce filet de sécurité, que tu peux en manger une, ça met après une demi-heure à fonctionner au cas où. Et donc, en fait, tu n'auras pas besoin de le prendre. Et effet placebo, en quelque sorte. Et quand on prend ce comprimé, eh ben ça marche de la façon suivante. C'est que ce n'est pas une érection automatique et involontaire. C'est par contre une érection qui va venir nécessairement dès lors que tu te sens excité. C'est assez magique, le fait qu'une molécule puisse avoir une action aussi ciblée que ça. Et voilà, ton médecin te prescrira ça sans grand problème. Je crois qu'on est à peu près tout couvert. Et ben pour aller plus loin avec nous, Paola va te proposer quelque chose et je te propose un guide gratuit par PDF qui va te servir pour accélérer la rencontre et la séduction de ton âme sœur, que ce soit sur un site de rencontre ou dans la vie réelle. Moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un mail à paola@institutmorningkiss.com. Si tu ressens une sorte de blocage avec les femmes, une difficulté à surmonter ta timidité pour séduire la fille qui te plaît, tu peux donc m'envoyer un mail en me décrivant ta problématique personnelle. On en discutera ensemble pour trouver une solution adaptée et établir un plan d'action personnalisé. Tout ça étant évidemment gratuit et sans engagement. Du coup, à bientôt sur Morning Kiss et sur la chaîne YouTube. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines. Gros bisous et à bientôt. Ciao.